Salut tout le monde, c'est Domi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme vous avez vu sur le titre. En effet, je vais vous informer de quelques trucs qui se passent en ce moment. Donc déjà j'ai beaucoup de projets au niveau de Minecraft, faut le savoir. Certains de mes projets, ils sont déjà finis même, donc je vais vous en présenter un là tout de suite même. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Première information, est-ce que vous voulez que je sorte des vidéos en plus, entre guillemets, pour la série Minecraft Survival, parce que moi et Spartlast, on a déjà tourné au moins jusqu'au 6ème épisode, donc ce qui est vachement beaucoup, surtout que si on comptait bien, si c'était une vidéo chaque semaine, je crois que c'était juste 24 épisodes en un an ou un truc comme ça. Bref, c'était vraiment trop peu. Enfin, je pense que c'est pas ça, enfin, je sais pas, donc bref, c'était vraiment très très lent, donc du coup, bah. Je me suis dit pourquoi pas, quand je dis des vidéos en avance, directement le mettre sur YouTube un jour aléatoire dans la semaine, quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps aussi. Du coup, dites-moi si vous voulez ça. En haut à droite de la vidéo, il y a un sondage qui apparaît juste maintenant. Et donc du coup, bah, deuxième information, ce serait, je commence à faire du map making. Donc le map making, c'est on crée des maps tout simplement. Donc les maps que vous voyez sur internet, bah, c'est des map makers qui les ont fait. Du coup j'en ai déjà fait 3, je vous mettrai le lien en description si vous voulez les tester. Je vous mettrai un site directement où je mets toutes mes maps. Surtout qu'il y en a qui sont mis en nouveau monde, je sais pas comment les renommer. Parce que quand je les renomme, il reste toujours un petit peu en nouveau monde, enfin ça dépend. Mais bon, voilà, vous avez le lien en description, vous en faites ce que vous voulez. Au passage, aussi une information très très cool, suivez-moi sur Discord, c'est très important, je poste tout à propos de la chaîne. Par exemple, le site de map, bah, il est directement sur mon Discord, il y a déjà un bon 3 semaines, on va dire, enfin il y a très longtemps, du coup, voilà pourquoi c'est bien de suivre mon Discord, vous avez tout en avance. Et il est fini de développer, entre guillemets, à 90%, il nous manque juste un petit peu des commandes de modération à faire. À configurer, mais bon, ça va prendre, je pense, un bon soir et après ce sera bon. Et donc du coup, dernière information, mon mod pack pour build. Oui les gens, mon mod pack pour build, je me suis mis un petit mod pack pour build avec pas mal de mods, ils sont juste devant moi actuellement. Et donc du coup, bah, je vais vous les présenter tout de suite, le lien sera aussi en description. Donc premier mod, c'est Malice d'or, donc par exemple, voilà, ça rajoute tout simplement des portes, voilà. Par exemple, c'est quelques exemples tout simplement. Deuxième mode, je me rappelle plus comment ça s'appelle, elevator block. Voilà, donc en gros, si vous êtes sur un bloc, vous sautez, vous irez au dernier elevator block qui est le plus en haut possible. Enfin, celui qui est juste au-dessus quoi. Pratique pour faire des espèces d'ascenseurs et tout, c'est plutôt cool. Là, on a security craft. Donc en fait, à chaque fois, c'est quelques exemples. Par exemple, si je mets 5, 5, 7 par exemple, save, si je remets 5, 5, 7, voilà, ça nous met directement une porte comme ça, voilà, qui se referme par la suite. On a DecoCraft, DecoCraft qui est un vrai bon mode pour build. On a Storage Drawer pour avoir un petit peu plus de style et tout. On a Chisel, le meilleur mode aussi pour la déco. Donc par exemple, voilà quelques blocs du mode, voilà. Donc par exemple, les blocs d'ici sont aussi de chisel par exemple. On a un autre mode là qui permet de mettre plus de trucs comme ça, enfin de ce style là quoi, de plein de nouvelles portes, de fenêtres, voilà. Et là vous allez me dire pourquoi tu as mis ça. Et bien il y a le mode secret room qui est rajouté du coup, qui n'y avait pas avant, mais du coup voilà, c'est plutôt cool. Par exemple si je saute ici, voilà, c'est un bloc invisible on va dire. Donc par exemple si je fais ça, voilà, je peux passer à travers tout simplement. Par exemple là regardez, voilà, il y a des secrets de boutons, il y a tout ça pour voir, par exemple si je le mets, voilà, je le vois directement le bloc, c'est plutôt cool. Voilà, donc franchement il y a pas mal de petits mods comme ça, par exemple voilà, il y a ça, par exemple des petits, je sais pas, des petits Jésus, voilà, des petits trucs grave stylés, il y en a plein d'autres, il y en a vraiment plein d'autres, faut moi chercher un petit peu, des petits, je sais pas comment on pourrait dire ça. Il y a même des... Oui, des... Oh, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle.
des PC et des tours PC, mon gars. Ah, c'est super stylé. Il y a même tous les détails juste ici. Des espèces de jukebox grave stylé encore une fois. Mais bon, voilà, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de blocs qui sont ajoutés dans ce mode de pack. Du coup, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Du coup, réponds au sondage, c'est très, très important. En tout cas, on va se laisser là et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Doumi. À la prochaine. Tchuss.